Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 28e, je crois, épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors, je vous retrouve en train d'essayer de pas se faire trop défoncer par les saloperies d'extraterrestres un peu partout. Allez, boum. Ah ouais, tu peux plus tirer. On va te mettre là. Moi, t'auras une légère couverture. Toi, il faut qu'on te mette ta couverture aussi. Voilà. Toi, tu te mets là. Toi, tu recharges. J'ai vraiment, mais vraiment des gros problèmes de vie à ce moment-là. J'ai plus trop d'unités pour couvrir les attaques pourries, là. Ah, 4 tirs réflexes, il y a moyen qu'on le touche. Yes. On va arriver au bout. Commandant, les alimentations auxiliaires sont en charge. Une fois pleines, les portes s'ouvriront et j'enverrai un autre groupe de renforts. Ok, c'est gentil, mais j'aimerais bien avoir les renforts tout de suite. On va attendre. Je prends un nouveau chargeur. Ça va arriver. Vous avez entendu? C'est à peu près sûr. Qu'est-ce qu'il nous envoie? D'accord, c'est un renfort est arrivé, ouais. Toc. Toc. Tout le monde en vigilance. On s'attend au pire. Et c'est notre petit soigneur. Génial. Absolument génial. T'as le droit d'en soigner. Doucement, soldat. Voilà. Déjà ça. Donc ça se déplace. On va attendre. S'il faut, on ira le chercher, mais pour l'instant je préfère attendre. Vu ce qu'on s'est pris sur la figure. Et je pense qu'il reste encore des trucs à faire. Je vais te soigner toi. T'as quand même plus de PV. Plus encaissé. C'était quoi? Ça bouge pas trop. J'aimerais bien aller voir, étant donné que je me suis un peu healé. J'y vais tout de suite. Descendre dans la fosse, c'est pas cool. Mais c'est pas... Ça devrait aller, je pense. Toi, par contre, on va te laisser là, en attendant. Tout de suite. Toi, tu peux y aller, t'as été healé. Toi tu restes là, toi je vais te faire passer de l'autre côté je pense. Bien reçu, je bouge. J'aurais dû faire ça dès le début d'ailleurs. Toi tu vas avancer. Sous la couverture de mon sniper. Affirmatif, commandant. Oui, aïe 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 aïe. Toi tu vas healer celui-là. Voilà, on va y aller. Je vais vers la position. Heureusement qu'on a une bonne partie de notre équipe de fous qui est là. Vous entendez? Sans elle, je pense qu'on aurait bien du mal. Il y avait un mectoïde. Il est où le mectoïde? Ouais. La vache. Il est où? Où est le mectoïde quoi? Oh la vache, il est bien caché quand même. Hein. Il est vraiment, mais vraiment bien caché, quoi. Ok. Je vais essayer de le faire sortir de là. Je bouge. Est-ce que
tu le vois. Non, tu le vois pas. On va essayer de le faire sortir parce que là mon gros Koubiak est gravement en danger. Il est en contrebas dans la fosse. S'il bouge pas. Allez. Yes. Si mon sniper pouvait réagir, ça serait super cool. Je pense qu'il est suffisamment bien placé. Raté. Aïe 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 aïe. Oui. Non. Pas de coup critique sur mon armure CEM. Pas de coup critique sur mon CEM. Oh là 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 là. Capteur réactif. Allez, tu me le tues. Génial. On les a eus. Combien d'épisodes ça a duré? 3, 4, je sais plus. En tout cas, ça a été hardcore. Ça a été vraiment très très hardcore. Du courage, soldat. Devoir combattre nos semblables. Il va s'en sortir, docteur? Oui, je crois qu'il s'en remettra. Et plus important, il semble libre de tout contrôle extérieur. A-t-on une idée de comment cela s'est produit, docteur? J'ai terminé les premiers examens et je n'ai trouvé aucune anomalie physique. Nous savons déjà que les aliens peuvent exercer une sorte de contrôle mental, docteur. Oui, mais cela n'explique pas le fait qu'il n'y avait pas d'aliens pour les contrôler, ni le nombre de victimes. Si les aliens avaient été capables de lancer une attaque de cette échelle auparavant, ils l'auraient fait. C'était peut-être une occasion unique. Peut-être bien. Encore nous faut-il découvrir comment ils ont fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ouah, blessé 7 jours, blessé 7 jours. Oh, seulement 7 jours? Ça va. Waouh. Autopsie de Berserker. De Berserk, je sais pas comment on dit exactement. Moi je dis Berserk. Noyau de mectoïde, fragment d'arbre, on a obtenu pas mal de trucs. Hein. Évidemment, vu qu'on a beaucoup explosé. Quoi, il y a des enlèvements? 4 scientifiques, très difficile. J'ai pas mon CEM. Bon, est-ce que ça va passer? De toute façon, c'est le dernier truc. Alors, du coup, ça va nous faire un sniper, un sapeur. Bon, voilà, ça va très bien comme ça. On va t'équiper avec des carapaces, étant donné que j'en ai plein à revendre. Par contre, c'est un grenadier, donc ça va. Un petit gilet en nanofibre. Toi, ouais, c'est normal. 2x2 grenades frag, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. C'est même très 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 bien. Allez, go. Alors, par contre, les enlèvements juste après la grosse attaque, ouais, voilà quoi. Il est plus gentil. Maintenant, direction l'Argentine. La situation semble être la plus urgente là-bas. Les extraterrestres poursuivent leurs enlèvements sans relâche. Ok. Sur un pont. Centrale, ici Rapace, on approche du site de l'enlèvement. Strike One attend la permission d'intervenir. Bien reçu, Rapace. Strike One, restez sur vos gardes et éliminez toute cible extraterrestre. Ok, chef. Nous revoilà avec nos super armures. Bien, commandant. Pas encore nos super armes, mais dans pas longtemps. Je me remue. En tout cas, on a une sacrée équipe. Position confirmée. Vous voyez pas à couvert, celui-là, c'est pas très grave. Je suis parti. Alors c'est une mission très difficile, assez linéaire au niveau de la carte.
peut-être pas beaucoup d'emplacement pour se mettre sur les hauteurs. Ok, on sait qu'elle est... Bah, de toute façon, elle est juste là. J'y vais. J'ai quelque chose sur Isabelle. Youpi. C'est là que j'aimerais mon CEM. Un alpha et un mectoïde, quoi. 55, 55, 47. YOLO. Fusillade. De toute façon, t'as les réflexes éclairs normalement. Oui. Vous allez voir, je me suis détourné de des deux Goliath par pur choix. Vous allez voir pourquoi. 63. Tu tombes à combien? 48. Un double tir. Au moins un. Bon, un c'est pas mal. Vous allez voir pourquoi je me suis détourné des... Voilà, c'est parti. Voilà, exactement, juste pour ça, ça valait le coup d'attendre un peu. Alors avec mon fusil de précision, est-ce que tu le vois? Non, évidemment que non. Oh, tu m'embêtes, pour rester poli. Toi, tu le vois pas non plus. Du coup, fusillade. Alors, 79, 49. 79 et tu me fais une cachette rapide. Oh, allez. Tu me le touches, le deuxième. Oui. Hop. Je pense qu'on va avoir besoin de medikit pour cette opération. Je m'en occupe. 68. Pas mal. Et hey, là je crois que c'est mon sniper. Qui va nous le finir. C'est magnifique. C'est magnifique. Il reste plus que le... Sectoïde Alpha qui va vraiment me faire chier, je sens. Et hey, contrôle mental échoué. Tu as dans l'os. Mon petit père. Ouais, 9%, c'est une blague. 41, c'est pas énormément mieux, mais bon. Hey, pas si mal en fait. Je suis en route. Tu le vois pas, c'est pas très grave. Il nous reste lui, on va même peut-être pouvoir récupérer la... Oh. Non mais vous êtes sérieux, arrêtez de viser le camion, c'est pas le camion qu'il faut toucher. Incroyable. Eh ben, il est super résistant celui-là. Ok. Hé, hey, ça échoue. Ah, vous êtes content, vous avez fait péter le camion. Maintenant, est-ce que vous pourriez toucher le sectoïde? Eh, quel abruti. Alors déjà, toi, c'est bon. Toi, il faut que tu viennes à la rescousse. Tire la tête, tire la tête, tire la tête. Intimidation. J'en ai rien à foutre de ton intimidation. Moi, je tire. Ah, quoique, non, il faut que j'avance un petit peu. Je peux pas faire une gâchette rapide? Oh non, j'ai pas assez de munitions, quoi. Les boules. On va faire un tir normal.
Ok. Avant qu'il tue quelqu'un, il faut l'abattre. Vous avez fini, oui? J'y vais. 72%. 94, tu le loupes pas. Ennemi à terre, j'ai tiré. J'ai plus rien. Ok, c'est là que je suis embêté. Il reste deux Goliaths. Bon, deux Goliaths, ça va en fait. Voilà. Il fallait que je reprenne la mêlée. Ah mais je l'ai déjà, prise. Donc là, il faut que je me cache. Voilà ce qu'on cherchait. Pour recharger. Non, attendez, pas faire de conneries. 49-49. Raté. Pas très très grave. Est-ce que tu peux monter? Yes. Tu nous fais un joli petit carton. 94-94. Est-ce que tu pourrais tirer? Non, évidemment, tu ne sers à rien. Je suis en route. Faut que tu recharges en plus. Voilà, toi, il faut que tu te caches. Parce que de toute façon, faut que tu recharges. Il reste vous. 8. Nom de Dieu, heureusement que j'ai une armure titan. Hein. Oh, raté. Il change de position. 7. Oh la vache. Ils font quand même super mal, quoi. 15. C'est quoi ça? D'où est-ce que ça sort chez Chiffre? Quoi? C'était pas prévu au programme, je pensais que c'était les derniers. Du coup j'ai juste 6 trucs en visée. Ce qui va être somme toute un peu embêtant. Gâchette rapide, tu me le tues. 1, 2, boum. Toi tu vas me l'éliminer. Celui-là. Au moins ça c'est fait. Ensuite, j'ai pas un tir de roquette de dispo. Voilà. Ici, c'est bien. Comment ça? Ah oui, c'est vrai, j'ai là. La mêlée, mais c'est pas très grave. Hein? Ah oui, c'est vrai, il y a 90%. Et évidemment, il a réussi à rater son coup. C'est original. On va dire que c'est original. Oui, prends, toi, t'as plus beaucoup de PV. Faire gaffe. 39. Oh, évidemment, je suis trop loin. On va essayer, mais je suis pas convaincu. Hein. Oh. Juste pour me faire mentir, je suis sûr. 49-69. Ouais, que je recharge le prochain coup quand même. Oh la vache. Le 39 qui passe mais pas le 69. Incroyable. 8. Ouais, que je joue un peu plus safe parce que je prends vraiment des coups un peu partout. Oh la vache. Je ne reveux pas un 8. J'ai dit quoi? Je ne veux pas perdre cette unité. En aucun cas. Ça fait 20 minutes, on va attendre encore un peu, je pense que je vais finir quand même la mission. Tu vas soigner Gus. On va te remettre sur pied.
Toi. Je vais vers la position. 28. C'est ridicule, mais... Ouais, non. T'as pas pu le finir, quand même. C'était un petit peu abusé. Oh, et toi, t'es trop loin, quoi. 11. Ce serait l'olesque. À 11%, quoi. Toi, t'as plus de munitions. Toi, est-ce qu'une gâchette rapide, ça pourrait pas nous sauver un peu la mise? Oula. 59-59. On va essayer. Si tu peux en éliminer un. Yes! Vous allez voir, on va tout finir. Oh la vache, arrêtez! Eux, ils ratent pas leur coup, par contre, hein. J'y vais. Oh. On peut plus tirer. La cible n'a rien. Bien, commandant. Tu vois rien, toi? J'y vais tout de suite. Allez, tu vas le finir. Non. Trop incroyable. Toi, t'as plus de munitions, tu sers à rien. Affirmatif. Toi, t'as intérêt à le toucher à coup de grenade. Attention. Alléluia. Merci, commandant. Mission accomplie. Waouh, on a récupéré tous les conteneurs. Je vais voir combien de temps ils sont blessés. Je pense que ça va être assez longtemps. Gravement blessé, 12 jours évidemment, et blessé 9 jours. Ah, les boules. Asie, Amérique du Nord, panique en hausse. Nous vous observons. Ouais, ça va, il y a juste la Chine, je sais pas pourquoi. Elle est... Plein de barres de panique. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode. Hein. Ça fait plus de 20 minutes, bien plus de 20 minutes. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine, salut à tous !